I3ESE, Institute of Electrical and Electronic Engineering, c'est une association américaine fondée en 1963 à but non lucratif. Du coup, nous nous sommes aussi I3ESE Trade Student Branch dans le cadre de l'Affinity Group WE, Women in Engineering. Nous sommes aussi invités à la session Enfants d'aujourd'hui, Entrepreneurs demain, d'où l'abréviation EAED. C'est une initiation dans le but de faire des cours de formation en culture entrepreneuriale, dans lequel on est en train de travailler un tour sur toute la Tunisie. On est aujourd'hui invité à faire l'une de nos sessions dans l'école High Salema Nebel. L'ambiance elle a été très très bien placée, du coup nous avons fait plusieurs workshops, plusieurs ateliers dans lesquels nous nous sommes fait même une compétition et un challenge que nous avons lancé vers la fin de la session. Le challenge, le but, le thème du challenge c'était votre jardin, le jardin de votre école. Nous avons reçu plusieurs propositions du côté des élèves, de part des élèves. Les initiations ont été essentiellement pour qu'on puisse faire quelques modifications sur le jardin, d'où nous allons juste implémenter quelques plantes. Ce sont des demandes si banales, mais elles sont aussi si importantes pour les enfants. C'était ça l'objectif de la session d'aujourd'hui. Je pense qu'elle a très très bien passé, que nous avons réussi à atteindre notre objectif pour la deuxième fois après l'avoir atteint dans la formation que nous avons animée à l'école Slogeia. En fait, notre but à atteindre, c'est bon. Amal n'a pas changé, et surtout, je suis à la Nazar et nous y a qui ou qui fait y a bras la raille ou mon ricouf y a bras la michèque et honzeda ou bichin haoul en chalam à nous le maximum ou nique fumar en l'achat et surtout à l'année à bien inconnu des idoles. Et nous y choufouna ok, voici nos cols et de rhum et y redonne un campo de amus le kifna. مبادرة فرحتنا ياسر اليوم وخلقت جو كبير في المدرسة، مبادرة معناها فيها تثقيف، فيها توعية للأولاد الصغار، هذه مبادرة خاصة وغير حقيقة شيء خارق العادة، إن شاء الله الأطفال يفهموا على الأقل نبثوا شوية حيرة في أفكار وفي وعملوا جو بالكدا يعطيكم الصحة وإن شاء الله تكون فما متابعة ومرحبا بكم في كل وقت.